Ladybug se détend sur le canapé. Oh, le bébé bouge! Hello! Comment tu te sens, chérie? Très bien. Tu veux écouter les battements de son cœur? Ouais, je vais aller chercher la machine. Prends de la pâte à modeler. Non, attends! Utilise plutôt du polystyrène. Jolie boucle d'oreille! On aura besoin de peinture dorée. Découpe un cœur. Fixe l'écran et des strass en guise de bouton. On va utiliser ce bouchon. On aura besoin d'une attache. Cette machine à ultrasons montrera les battements du cœur du bébé. Chérie, j'ai la machine à ultrasons. Waouh, qu'est-ce que c'est? Tu vas voir. Je sens les battements de son cœur. Regarde! Qu'est-ce qu'on a là? Une commode. Ça me donne une idée. Trace plusieurs pièces. Découpe-les. Et ajoute des parois en haut du meuble. Peins les tiroirs de différentes couleurs. Parfait! Découpe du papier mousse. Ajoute des demi-perles. Pose un matelas arc-en-ciel. Cette table allongée est mignonne et super pratique. Ladybug se prépare à devenir maman. Elle va prendre des cours de maternité. Je suis arrivée la première! Écarte-toi! Mesdames, ne vous battez pas! Vous allez toutes les deux devenir maman! Et aujourd'hui, on va apprendre à changer les couches. Qui veut commencer? Je peux essayer? Je vais d'abord me laver les mains. Bien vu! Oh là là, quelle crâneuse! Ladybug s'en est très bien sortie. Bon travail! Thank you! C'est facile! À mon tour maintenant. Recommence, c'est pas comme ça. J'y crois pas! C'est pas grave, je vais t'aider. Merci du coup de main, c'est sympa. Vous allez toutes les deux être des mamans géniales. Prends un moule en plastique. Ajoute des décorations dorées sur les côtés. Ajoute des ornements. Verse de l'eau dans le trou. Ces pétales de fleurs sont si relaxants. Et mets de la poussière dorée. Apporte des soins pour la peau. Ça promet d'être un vrai moment de détente. Oh là là, j'ai mal aux pieds, j'ai du mal à marcher. Je sais comment aider. Je reviens tout de suite. Tiens, un bain de pieds. Enlève tes chaussures et plonge tes pieds dedans. Je vais ajouter de l'eau chaude. Ah, oh, c'est trop chaud! Et maintenant? Trop froid! Peut-être que des pétales de fleurs te feront du bien? Ah, je me sens tellement mieux! Quand tu auras fini, tu pourras mettre de la crème hydratante. Merci, c'est incroyable! Les filles sont devenues copines maintenant. Regarde une table libre, on va s'asseoir là. Comment je peux vous aider? On peut voir la carte? C'est au mur. Les futures mamans ont des envies très particulières, tu sais? Alors vous allez certainement adorer nos sushis à la crème glacée. Ouais! J'en veux moi aussi. Ça marche! Là, Lilou, tu peux m'aider à les préparer? Bien sûr! Deux portions. C'est parti! Prends deux couleurs de pâte à modeler. Enveloppe-les dans une couche blanche. Coupe le boudin en tranches. Parfait. Utilise du papier mousse pour l'algue. Et voilà deux portions. Et maintenant de la délicieuse crème glacée. Bon appétit! Tenez!
On mange comment ça? On a besoin de baguettes. Je reviens tout de suite. Oh, peu importe, j'ai trop faim moi. Yummy. Wow. On peut vraiment faire ça? Allez. Delicious. Oh. Mon travail ici est terminé. J'ai mal au ventre. Je vais devoir changer d'uniforme. Les bébés arrivent. Et voilà, les bébés sont nés. Ponce un morceau de bois. Fais un trou dedans. Enfonce une paille dedans. Ajoute un embout doré. Peins le manche en bleu et la tige en doré. On adore les appareils SMEG. Ce mixeur plongeant t'aidera à préparer de la nourriture pour bébé. Chérie, est-ce que les enfants ont faim, tu crois? Ouais, je vais aller leur chercher à manger. Non, vous êtes trop jeune pour ça. On doit leur préparer de la nourriture pour bébé. Où est le mixeur? Ah, le voilà. Et voilà, de la nourriture mixée pour mes adorables bébés. Waouh, c'est bon ça! Découpe une tête d'oreiller dans une vieille manche. Détourne un patron. Découpe les pièces. Coulez ensemble. Oh, trop mignon ces rennes! Brosse leur fourrure. Oh, merci! Remplis les oreillers avec. Enveloppe un œuf Kinder dans du tissu. Coupe ce qui dépasse. On a fait un beau papillon avec des sangles. Ce sera facile de bercer le bébé avec cet accessoire. Chloé essaie de nourrir sa fille. Allez, aide-moi un peu, sois sympa! Oh, j'ai mal aux mains. Sabrina! Qu'est-ce qui se passe? J'arrive même pas à tenir le biberon, je suis crevée! Il nous faut un oreiller spécial. Unbelievable. C'est une excellente idée. J'aimerais bien m'allonger sur cet oreiller, moi aussi. Chloé, et le bébé alors? Le bébé va bien. Elle a fait tomber sa mère du coussin et maintenant elle s'amuse comme une petite folle. Gentille fille, tu ressembles tellement à ta maman. Prends une caisse en plastique. Enfonce-la dans une demi-sphère. Shrek, tu veux un chewing-gum? Yeah. Délicieux. Découpe une lentille transparente. Aiguise un crayon. On va se servir du taille-crayon. Assemble un écran. Ce babyphone avec une caméra gardera un œil sur tes bébés où qu'ils soient. C'est l'heure d'aller au lit! Faites de beaux rêves! Je vais me reposer moi aussi. Je vais mettre le babyphone ici. Et maintenant, je peux mater le match. Comment vont les enfants? Ça a l'air d'aller. Je vais aller me chercher de quoi grignoter. Cool, du soda et du popcorn. Oh yeah! Les enfants se réveillèrent et commencèrent à jouer dans la chambre. Oh oh! Les enfants ont disparu! Vous êtes où? Ah, oh, vous voilà! Jolie bague! On va avoir besoin de celle-ci. Transforme-la en bois. Ajoute un cordon doré. Waouh, des nuages! Cette abeille va venir avec nous. N'oublie pas d'ajouter une cuillère de miel. Ce mobile est tellement rêveur. On est sûr de faire de beaux rêves avec ça au-dessus de la tête. Chérie, tu peux rester tranquille au moins 5 minutes? Ah! Sabrina, au secours! Qu'est-ce qui se passe? Mon bébé veut pas dormir.
T'as tenté de jouer avec elle? Regarde comme ce jouet est mignon. Trop nul! Peut-être que tu préfères ce nounours en or? Ouais. Ça marche toujours pas. Pas de panique, je vais trouver quelque chose. Allô? Tu peux nous livrer un mobile de luxe? Félicitations! Vous avez acheté notre plus beau modèle! Le mobile fit des merveilles. Elle s'endormit en un clin d'œil. Chut, ne la réveille pas! Prends une bouteille. Peins-la. Dessine des formes sur de la mousse. Ponce les bords. Ajoute un socle. Les coccinelles nous ont aidés à peindre l'appareil. Pose le biberon dessus. Ce chauffe-lait va nous être d'une grande aide. Chat Noir et Ladybug vont nourrir leur bébé. Est-ce qu'il nous reste du lait? Je vais regarder dans le frigo. Ouais, mais il est froid. Ça va quand même? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont besoin de lait chaud. Waouh, on va essayer ça. Le lait est réchauffé maintenant. Bon appétit, mes chéris. Vide les perles. Peins le moule en rouge. Fais des trous dedans. Fixe une tête de coccinelle. Peins des yeux. Oh, trop mignon! Détourne l'insecte sur du polystyrène. Découpe la forme. Ajoute du papier mousse scintillant dessus. Cet humidificateur rendra l'air de la maison plus respirable. Quelle bande de filous! Achoum! Prends un mouchoir! Thank you! Achoum! Oh, qu'est-ce qui nous arrive? Peut-être que l'air est trop sec? Je sais, on va installer une fontaine. Non, c'est trop moche! C'est à ça que servent les humidificateurs! Oh ouais, trop bonne idée! Ah, je me sens déjà beaucoup mieux! Yes! Cherchons ce qu'il nous faut. Peins-le en rouge. Ajoute un couvercle. Le miroir est à sa place. Un mignon bloc-notes à fermeture éclair pour garder tous tes secrets. Waouh, qu'est-ce que c'est? Une échographie? Une boîte secrète avec un journal intime qui se ferme avec un bouton. Plaque fait des farces dans la chambre de Marinette. C'est fun! Tellement de petites choses, Mimi! Hihihi! Plaque, mais qu'est-ce que t'as fait? Il faut tout ranger. Ok. Et c'est quoi ça? Une échographie? On va voir un bébé? Chat Noir, mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Oh, t'as vu quelque chose? C'est un accident. Mais je voulais te faire une surprise. Ouais, je suis tellement heureux! On prend une poupée cassée. Les cheveux bleus, ça te va bien. Coiffeur au travail. Des queues de cheval. On dirait Marinette. Le masque est prêt. Ladybug a donné un morceau de son amour. Waouh, il y a un ventre! Wow. La famille aura bientôt des enfants. Le matin, Chat Noir a décidé de rendre sa femme heureuse. Qu'est-ce que je dois cuisiner pour le petit-déj? Oh, il y a tellement de courses, c'est dur de choisir. Un beignet, ça lui fera plaisir. Bonjour! C'est quoi cette délicieuse odeur? Le petit déjeuner est prêt! Pas mal! Y a autre chose? Tu veux un croissant, chérie? T'as rien d'autre? J'ai pas eu le temps de faire la cuisine. Bon, je vais regarder dans le frigo moi-même. Oh, waouh! Je veux tout en même temps. Ouh, miam! Ouh! Oh mon dieu, elle a vraiment faim, dis donc!
Hihi. Notre bébé a besoin de beaucoup de nutriments. Une balle a volé dans l'atelier. Coupe le ballon. Héhé, une paire de vrilles est apparue. Joli scarabée! Colle le cylindre avec du papier mousse. Un tapis texturé, c'est bon pour le dos. Fais un tapis. Le kit de fitness parfait! Les princesses se sont réunies pour une séance de fitness de maternité. C'est tellement intéressant! Un inventaire cool! Ah, mes performances sont bonnes! Qu'est-ce que tu mesures? Tout! Pouls, température, appétit? Au fait, c'est l'heure de manger un morceau. Et je préfère la nourriture saine. Oh. Les vitamines, c'est bon pour le bébé. Les filles, on est toutes là? On commence la séance d'entraînement. On va mettre de la musique énergique. C'est parti, tout le monde! Les futures mamans ont besoin d'être actives. Je vais vous montrer quelques exercices très simples et efficaces. On saute sur le ballon. Et maintenant, voici un exercice pour le bas du dos. Oh. Waouh, c'est tellement utile! Yay. Très relaxant, bien joué! Uh-huh. Merci pour la leçon! Coupe un morceau du pot en plastique. Enveloppe-le dans de la ficelle. Des pompons. Un panier complet de boules. Et n'oublie pas les aiguilles à tricoter. Est-ce que je devrais rester à la maison? Ou sortir me promener? Ah, Paris est si beau! Allô, Chloé? Eh, hey, viens, on sort ensemble! Salut, copine! Je viens avec des cadeaux, hihi! Wow. Tu veux tricoter? Oh, merveilleux! Hihi! Mais je sais pas du tout tricoter. Pas de problème, je vais t'apprendre. Ok. Tu fais des boucles, tu enfiles une aiguille à tricoter. Le tricotage a commencé. Waouh, ça marche! Woohoo. Tu peux tricoter quelque chose pour ton bébé. Uh-huh. Allez, filles, on mange? J'ai apporté un Happy Meal. Hourra! Maintenant, je peux manger un bout. Les chats ont aussi aimé mon cadeau. Oh, ils ont appris à tricoter aussi. Tout le monde aura des bonnets et des écharpes. Abracadabra. Les œufs sont teints en rouge. Ladybug a dansé pour nous. Découpe des bandes de papier mousse. Enveloppe les piñatas avec. Décore avec des autocollants, garçon ou fille. On va découvrir la réponse pendant la fête de révélation de sexe. Chloé se prépare pour la fête. Alors, est-ce qu'ils auront un garçon ou une fille? Hello. Yay. Des cadeaux pour les parents. Merci. Je vais casser une piñata avec ce truc. Woohoo. Youpi, c'est rose. On va avoir une fille. On fait la fête avec l'heureux couple. Quel joli bébé! Enfilons un petit costume rouge. La combinaison est décorée de demi-perles. Cheveux bleus, elle tient de sa mère. Il y a des ailes noires sur le dos. Le bébé peut voler dès la naissance. Docteur, on dirait qu'il est temps. On verra. Oh oui, il est temps. Chérie, je suis là. Papa, sois patient. Oh, wow. Mon amour, ça va? Attends dehors. Je ne peux pas me calmer, c'est trop haletant. Wow. Un miracle s'est produit. Le bébé Buggy est né. Alors, alors? Ma fille, elle est trop mignonne. Elle peut voler? What? Wow. Ses capacités se manifestent déjà. Elle tient de ses parents. Choisis une forme. Parfait. Rouge. Fais une couverture dufteuse. Fixe-la à la poussette. Ajoute des poignées. On va faire un cadre. Décore la poussette avec des coccinelles. Une paire de vrilles dépasse de la visière. Une poussette étonnante pour bébé Buggy. Chat noir s'est endormi dans le parc. Mmh.
Qu'est-ce qui va pas? J'entends un bébé qui pleure. Huggy Wuggy est là pour t'aider. Bah bébé, pourquoi t'es triste? On va trouver Huggy. Il est où? Il se cache, le voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Huggy? Je l'ai couvert pour toi. Oh, merci mon pote. Heureux de t'avoir aidé. Ciao. Découpe une bande de papier mousse. Donne-lui la forme d'un siège. Et un compartiment à bouteille. Ajoute des sangles. Les biberons seront toujours à portée de main. Marinette nettoie la salle de bain. Maman! Maman! Bébé, qu'est-ce qui va pas? Tu t'ennuies? Maman est occupée, là. Je peux venir avec toi? Please! J'ai tellement de choses à faire. Comment tout gérer? Ce kangourou va m'aider. Maintenant, on nettoie ensemble. Marinette a nettoyé les poubelles. Elle a rassemblé toutes les affaires sales et a fait la lessive. Elle a trié les vêtements dans les tiroirs. Oh, bébé, on a réussi. Quelle journée productive. Le kangourou a beaucoup aidé. Minnie a mis une table pour deux. On prend une chaise. Il faut des jambes plus grandes. Renforce la structure. Ladybug va décorer la chaise. Découpe la table. Décore les joints avec des strass. Une chaise haute spéciale, ce sera plus facile pour faire manger le bébé. Chat Noir est un papa très attentionné. J'aime ma fille. Regarde cette photo. Moi et ta maman, on a sauvé le monde. Tu vas grandir et être aussi courageuse que nous. Oh, j'ai presque oublié que c'est l'heure du déj. Valérie, aide-nous s'il te plaît. Oui, bien sûr monsieur. Voici le menu. De la cuisine française? Super! On va prendre un croissant. Et des flocons d'avoine avec une sauce béchamel. S'il vous plaît, le repas est prêt. Bébé, mange. Une cuillère pour maman, une cuillère pour papa. Bébé adore tes repas. Oh monsieur, pas besoin de me remercier. Pétris de la pâte à modeler. Donne-lui une forme arrondie et lisse la surface. Fais un nombril en utilisant un cure-dent. On n'a plus qu'à la recouvrir de peinture acrylique rouge et d'ajouter des pois noirs. Recouvre de vernis transparent. Et le tour est joué. Je suis tellement heureuse qu'on soit enfin réunis. Je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Un Kwami de l'amour passé par là. Et depuis, Ladybug est enceinte. Le Kwami Fluff apporta une surprise à Bunnix. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une invite pour aller à une baby shower. Il me faut des cadeaux. Transforme cette poupée cassée en Kwami Tiki. Pétris de la pâte à modeler. Égalise la surface et rends-la lisse. Utilise du dissolvant pour effacer la peinture du visage. Dessine une nouvelle paire d'yeux avec de la peinture acrylique. Fais les iris en bleu. Et ajoute des pupilles. Mets des reflets blancs dans les yeux. Recouvre le corps de la poupée de peinture acrylique rouge. Attention, Kwami, je vais venir te chercher. Ajoute des pois noirs et des cils. Coupe un morceau de fil de fer. Mets un petit morceau de pâte à modeler au bout. Mets de la peinture rouge sur le fil de fer. Le petit Kwami Tiki arrive à la rescousse. C'est l'heure du goûter! Coucou, le Kwami de chat noir! Plague Tiki! J'ai vos friandises préférées. Du brie! Des biscuits au chocolat! Yum! Maintenant, on doit filer. Fais un gâteau. Remplis un récipient en plastique vide de pâte à modeler autodurcissante. Ensuite, coupe délicatement le récipient. Et notre gâteau est bientôt prêt. Saupoudre-le de paillettes rouges. Écris la question que tout le monde se pose. Garçon ou fille? Mon moment préféré. Coupez le gâteau.
L'intérieur est une génoise rouge au chocolat noir. Il est parfaitement cuit. Hé, mange pas le gâteau avant que la fête commence. On doit décorer la chambre. Découpe de petits triangles dans du papier à motifs. Des étoiles et des pois, c'est super. Applique de la colle chaude et attache-les à un fil fin. Maintenant, on a suffisamment de déco en papier. Fais plein de petites boules en pâte à modeler. Utilise deux crayons souples pour faire l'arche. Il est temps d'utiliser notre pistolet à colle. La table est installée. Le gâteau, les bonbons et les boissons attendent les invités. Et il y a même un espace dédié aux cadeaux au pied de la table. Ladybug et Chat Noir ont hâte de voir leurs copains. Hello. Félicitations pour le bébé. Tenez un cadeau. Oh, merci. Je pense que le bébé aura besoin d'une couverture. Même Kwami apprécie. Oh. Ladybug, quelle fête incroyable! Les invités passent un super moment. Baissez la musique! C'est l'heure de couper le gâteau! La première part est pour maman! Et maintenant, notre couple d'amoureux va danser un slow. On dirait qu'aujourd'hui, ça va être le tout premier anniversaire du bébé. Ouais, c'est une fille! Chérie, t'es incroyable! Notre fille est trop mignonne! Transforme cette poupée en mini-bug. Peins ses cheveux existants en bleu. Fais des mèches de cheveux avec de la laine à feutrer. Colle ses cheveux. Égalise les pointes et fais de belles couettes. Découpe une grenouillère en feutrine. Enfile-la. Cette grenouillère a les mêmes poids que le costume de sa maman. Chérie, tiens le bébé. Maintenant, on forme une famille heureuse. On doit mettre le bébé dans une écharpe. Découpe un morceau de papier mousse pailleté. Ajoute du velcro pour pouvoir l'ouvrir et la fermer facilement. Ajoute un nœud pour faire un coussin. Minibug est bien au chaud dans son écharpe. Notre bébé a besoin d'une poussette convertible. Prends la moitié d'un œuf Kinder Joy. Dessine la même forme d'œuf sur un morceau de tissu satiné. Mais laisse un peu de marge. Replie les bords. Et colle-les à l'intérieur de l'œuf. Décore les bords. Ajoute de la fourrure artificielle moelleuse pour que la mini-bug ait l'impression de dormir sur un nuage. Découpe le reste des détails. Décore la poussette avec une coccinelle. Colle un cure-pipe pour faire une poignée. Maintenant, je peux emmener ma fille partout avec moi. Mini-bug adore les pique-niques. Mais elle ne peut boire que du lait pour le moment. Maman peut aussi conduire en prenant le bébé avec elle. Mini-Bug est bien installé et n'a pas peur du tout. Fais un tapis d'éveil avec un mobile. Découpe un cercle dans du papier mousse rouge texturé. Et découpe un demi-cercle dans du papier mousse noir. Colle le tout ensemble et dessine des pois noirs. Le bébé adore. Courbe un cure-pipe pour former une arche. Passe un fil de pêche dans des perles différentes. Ces perles en forme de coccinelle seront très utiles. Mini-Bug ne peut plus s'arrêter de jouer avec son mobile. Décore la boîte avec un nœud. Coupe de fines bandes de papier. Ça servira de paille pour mettre au fond. Verse de la peinture acrylique blanche dans un biberon pour faire du lait. Peins-le et le biberon est prêt. Ajoute des perles de plusieurs tailles sur un cure-dent. Elles sont de la même couleur qu'une coccinelle. Recouvre-les de vernis à ongles transparent.
il manque plus que des chaussures. Avec un motif à pois, bien sûr. Coupe un gros morceau de ruban en satin et fixe-le avec une épingle. Découpe un ovale. Coupe les deux couches ensemble. Mais pas complètement. Retourne-le à l'endroit et remplis-le de rembourrage. Un morceau de papier mousse noir et une bande au milieu ont transformé ce simple coussin en coccinelle. Mini Bug va l'adorer. Regarde, elle veut pas lâcher ses jouets, ni son biberon. Maman Bug veut un tapis en pièces de puzzle. Découpe un puzzle imprimé sur du papier autocollant en suivant les lignes. Retire la couche protectrice et colle les pièces sur du papier mousse. On va assembler le puzzle. Papa Chat, Maman Bug et Mini Bug forment une belle famille. Oh. Excellent. Et si on fabriquait un jouet en forme de pyramide à empiler? Prends de la pâte à modeler rouge, bleue, noire et verte. Fais des petites boules aplaties de plusieurs tailles. Fais un trou au milieu de chaque cercle. Empile-les sur un cure-dent et termine par une coccinelle. Notre petite fille pourrait jouer avec sa pyramide pendant des heures. Super, tu les as mis dans l'ordre! Bien joué! Utilise un pochoir pour dessiner des cercles sur du papier mousse rouge et noir et découpe-les. Décore-les pour former une coccinelle pailletée. Des rayures, des pois, on a tout ce qu'il nous faut ici. Coupe les côtés et remplis l'intérieur de rembourrage. C'est quoi ce serpent poilu? Il est parfait pour faire des antennes. Maintenant, Mini Bug a une pile de coussins. 1, 2, 3. Fais attention, c'est pas une balançoire. Je vais te tenir. Et maintenant, on s'envole. Le bébé était si fatigué qu'elle s'endormit dans les bras de sa maman. Ladybug et Chat Noir passaient tout leur temps ensemble. Même les méchants ont laissé à notre couple de super-héros le temps de faire une pause. Mais pour combien de temps? On le saura assez vite.